Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélos? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Hier soir vers 17h, comme vous avez pu voir sur la plateforme YouTube, les Heineken sont revenus avec un de leurs titres de leur dernier album qui s'intitule Manifesto Day One. Nous avons déjà pu avoir le MV et le titre Future Perfect, je mettrai le lien ici quelque part de ma réaction. J'avais énormément aimé leur titre phare de ce nouvel EP. Et hier soir, donc à 17h, ils ont tout simplement pondu un nouvel MV pour un autre titre de ce fameux EP qui se nomme Paradox Evangel. J'avais déjà vu un teaser avant-hier et on voyait tout simplement une sorte de camion qui faisait office de classe scolaire. Je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Et oui, je n'ai pas fait la réaction hier soir parce que tout simplement j'ai retrouvé mon chéri qui était parti depuis plus d'une semaine en déplacement. Là il repart dimanche et j'ai pas pu le faire ce matin parce que même si ici nous sommes le 21 juillet et que c'est la fête nationale, ben il y en a qui bossent les jours fériés et c'était mon cas. Et j'ai eu une matinée très éprouvante. Je préfère pas en parler parce que voilà. Secret professionnel, mais revenons à Heineken. J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel MV. Cette chanson, c'est une des chansons que j'aime le plus de leur album. Donc oui, hâte de voir ce que ça peut donner en MV. Et surtout les gars, la chorégraphie, let's go. J'adore. En plus ils ont même foutu les casiers et tout. Ah ouais, ils ont été forts, il n'y a juste pas le prof quoi. Donc imagine, t'as ton banc qui est collé à celui du prof, ça craint. Ouh, c'est ce qu'on voyait dans le teaser. Sting. Et puis, chorégraphie. Jette. Oh putain, la marque Céline elle est vraiment partout. Hein. J'aime bien les transitions entre chaque plan. Oh, c'est trop beau avec toutes ces écritures. Oh, il y a du fumier. C'était trop joli avec tous ces papiers là. Les paroles sont trop chouettes. Wouhou!
Alors, qu'est-ce que j'en pense tout simplement d'une vie? Déjà, la chanson, c'est un gros coup de cœur. J'aime tout leur nouvel EP. Après, souvent, en A-Pen, j'aime vraiment toutes leurs chansons de leur playlist. Donc, c'est pas difficile pour me conquérir personnellement. Mention pour cette chorégraphie, surtout ce... au niveau du refrain et tout. Non, j'ai adoré la chorégraphie. C'est ce que j'attendais le plus, je pense, en visionnant cette MV. Et j'ai été conquise jusqu'à... Au niveau du MV, j'aime beaucoup le début, vraiment ce côté gros camion comme une sorte de bus, camion transportable, scolaire, où tu vois, il y a vraiment une classe qui était quand même bien fournie dans ce camion remorque, on va dire ça comme ça. J'aime le fait qu'après tu ouvres cette fameuse porte et puis bam, ça commence. Le paradoxe est arrivé. Non, franchement, les paroles même de la chanson sont géniales. J'aime beaucoup la force, la simplicité également du MV, mais toutes ces transitions, c'est vraiment ces effets, cette transition qui est... Quand tu parles, t'as mal ta salive en même temps, ça ne fait pas... Pardon. On reprend. J'aime vraiment... Donc je disais, la force de cette MV, c'est vraiment toutes les transitions et les effets qu'il y avait. Vraiment, c'est ce qui a donné, qui se donnait cette touche vraiment un peu plus fantastique, etc. J'aimais vraiment aussi quand il était dans une sorte de cabine d'essayage, il me semble, et ce tournoiement et puis cette disparition, puis il réapparaissait aussi dans cette laverie. Enfin, il y avait vraiment de chouettes trucs, de chouettes éléments. Toutes les couleurs un peu flashy étaient sympas aussi. Et puis ce gros Paradox Invention qui arrive à la fin comme une sorte de fin de film à la Marvel. Je sais que la hype aime beaucoup ce style avec les Marvel, etc. Mais on le voit dans certains types d'MV de certains de leurs artistes, je trouve. Que dire de plus? Non, juste que c'était génial. Hein. Je sais vraiment pas quoi dire de plus. Il y avait tellement d'éléments dans cette MV que... Je suis complètement mais perdu, littéralement. Je vais pas vous faire une sorte de d'avis sur la jaquette parce que je l'ai tout simplement déjà faite quand j'ai fait ma réaction à leur précédent titre. Mais voilà, vous savez que c'était gros coup de cœur, mes aïeux. Et vous, mes chers Mélimélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement du MV qui représente ce titre de leur dernier album en date? Moi, je vous fais d'énormes un gros bisou. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu, ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, de sayonara. J'oubliais, quelle est votre chanson préférée de cet album? Et oui, il y a une vidéo, j'ai vu des Girls Group Coréen Weekly qui ont sorti tout simplement en feat avec... Et quelqu'un, un artiste qui s'appelle Kim Garam, ou je ne sais pas quoi. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Ah oui, non, avec Kim, c'est un truc Kim Ena Project. Par hasard, je suis tombée dessus au boulot et sans faire exprès, je l'ai visionné. Et personnellement, j'ai pas trop aimé. Donc, si vous voulez que je fasse la réaction. Je la ferai, mais si vous la demandez pas, je ne la ferai pas parce que je l'ai déjà vu, ce serait pas une réaction première comme je fais d'habitude. Voilà, voilà, encore une fois, des gros bisous.